Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes sur Call of Duty Black Ops 3 et nous sommes en live. Nous allons faire une petite game en live. Alors là vous êtes sûrement en train de vous dire, Mister B-Boy, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fous sur ce jeu? Bah je vais vous l'expliquer en toute honnêteté bien évidemment. Donc on va lancer un petit petit MME, c'est rapide les gars. Et puis si on se fait enculer, on dira que c'est de la faute au voisin, hein. Bref, nous sommes donc sur ce Call of Duty 3. Et je vous avoue que je traînais sur YouTube et je suis tombé sur un YouTuber qui m'a redonné goût, qui m'a redonné envie de jouer à ce Call of Duty, au Call of Duty en général. Je parle de, alors ce YouTuber s'appelle Monsieur le V12, quelque chose comme ça. Et je l'ai regardé jouer et je me disais, mince, il est incroyablement bon. Il est très très bon, je dirais même. J'ai regardé une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. J'ai passé ma nuit à regarder ces vidéos d'ailleurs. Et je me disais, mais c'est incroyable, il a quelque chose. Il me donne, il a du funk au ventre, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Il me donne envie d'aimer la vie, il me donne envie de jouer à Call of, parce qu'il est bon. Donc on va essayer d'appliquer ses conseils, évidemment, on va essayer de faire des bonnes games. Le salon est donc rempli. Comme je vous disais, on va essayer d'appliquer ses conseils. J'ai observé ses vidéos avec énormément d'attention. Il est bon, il est très très bon. J'ai d'ailleurs failli me renommer Mister le V45, mais je me suis dit non, je me suis dit ça serait une insulte, bien évidemment, une insulte à son talent. C'est quelque chose d'inébranlable, hein, bien évidemment, ce qu'il fournit là. Donc j'ai appris beaucoup de ses vidéos et je me suis dit mince, j'ai tellement appris que j'ai été aveugle tout ce temps, bien évidemment, sur cette licence Call of Duty, et j'ai lâché quand il ne fallait pas, quand les jeux devenaient incroyables. Alors il m'a appris pas mal de choses. J'ai relevé quand même un conseil vraiment phénoménal qu'il emploie très souvent. C'était de toujours temporiser, bien évidemment. De toujours, même dans les situations les plus délicates, tenter de contourner l'adversaire. On est parti, alors je vais prendre la Manowar. Quoique la KN, c'est quand même un joueur de KN assez exceptionnel. On va partir sur une petite KN. Donc nous sommes sur Black Ops 3. Et je n'ai pas touché au jeu depuis très longtemps. Hein, depuis très longtemps. Réellement, hein, Monsieur V12, si tu me regardes, j'espère que tu regardes cette vidéo. Sache que tu as été pour moi un exemple suprême. Alors ma sensibilité est dégueulasse. Et encore, quand je dis dégueulasse, je suis fort gentil. Hop. Alors, ma sensibilité est littéralement ignoble. Bon, j'ai fait un double kill, c'est normal. Bon, les gars, j'ai fait un triple kill, voilà. Ça, c'est vraiment parce que j'ai mis en application ces conseils juste incroyables. Attendez, attendez, je peux le choper. Hop, le quadruple kill. Ça passe très vite sur un catup. Oh là 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 là, j'ai la Monsieur le V12 en moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai la... Appelez, mettez en commentaire la Monsieur le V12. C'est un style. C'est un style de vie. Alors, bien évidemment... Il suffit pas de vouloir ressembler à Monsieur le V12 pour être Monsieur le V12. Il faut quand même avoir une alimentation relativement saine. Pousser la fonte aussi, hein. C'est une part de skill, hein, qui t'offre là. Et si tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ton jeu, comme on dit. Tu es bien dans ton gameplay. Donc là, pour l'instant, ces conseils sont réellement incroyables. Réellement incroyables. Alors, j'ai un super pouvoir. Quoi? Ah, d'accord, je voulais pas faire ça, c'est bien gênant. J'ai glitché, hein, bien évidemment. Hop! Bon, eh les gars, moi si je peux régaler, je régale. Hein. On n'est pas là pour tergiverser. Ma sensibilité est totalement ignoble, j'ose pas trop la changer. Hein. Là, on est en live, les gars, on va tenter en un seul match à mort. J'ai pas envie de prendre trop de risques. Donc, on va essayer de faire un petit sans faute. Ah non! Bah voilà, bon bah écoutez. Ah, j'ai voulu faire trop attention à moi. Ah, faut pas faire attention, hein, vous savez. Pour avoir regardé pas mal de vidéos de Monsieur le V12. C'est pas comme ça qu'il faut jouer. Voilà, il faut la jouer un peu plus violent. Il faut pas avoir peur, il faut clairement pas avoir peur. Et là vous voyez que sans peur, tout passe plutôt bien. Donc on va, attention, toujours contourner la carte, hein, bien évidemment. Toujours passer sur la gauche et la droite. Ces gens ne meurent pas, hein, bien évidemment. Ça devient chiant, voilà, ça c'est un peu frustrant. C'est à dire que lui arrive à me tuer en me jetant 3 fraises tagada. Moi je ne peux pas le tuer en lui jetant 4 chargeurs à la gueule. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était ma faute, hein. C'était ma faute. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo sur Infinite Warfare. Mais Infinite Warfare est un Call of Duty, peut-être même le meilleur Call of Duty de ces dernières années. Donc je me suis dit, non, vous savez quoi? On est couillus. On va pas faire d'Infinite Warfare. On va aller sur... C'est chiant ça par contre. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes jaune? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un repas qui est mal passé, c'est ça? C'est quoi la maladie qui te rend tout jaune là? N'hésitez pas à écrire en commentaire. Vous avez peut-être même...
Alors, tu sais plus où t'habites, mon frérot? Ok, j'ai débloqué pas mal de médailles, hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable, il campait par contre ce petit bâtard. Attention, je l'ai à l'œil. Donc là, vous avez remarqué, c'est un peu mon coin de carte. Ah bah, j'ose pas trop aller ailleurs. C'est vrai que je me plais bien ici quand même. Attention, je t'ai vu mon petit coq. J'ai dit mon petit coq, je ne sais pas pourquoi. Attention, il est là. Faut mourir, monsieur. Oh là 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 là, la cover incroyable. Oh, je suis désolé de cette sensibilité dégueulasse. Mais c'est pas la sensibilité qui fait le joueur. Oh là 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 là. Ça va glitcher à toute berlingue là, c'est moi qui vous le dis, les potos. Oh, les joueurs sont toujours aussi bons sur ce jeu. Je suis où? J'habite où? Comment je m'appelle? Statut mondial restauré. Il est où? Il est où? Attendez, il essaye de me la feinte. Il essaye de me la mettre à l'envers, ce petit bâtard. On va aller dans l'église. Je pense que l'église est un bon point pour arracher calmement et gratuitement quelqu'un. Il y avait quelqu'un derrière moi, je l'ai entendu double jumper. Hop, il est mort, bien évidemment. Là, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Oh là là, Karim, si tu regardes cette vidéo, j'espère que je fais honneur en ta puissance. Oh là 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 là. Ok. Ah, c'est une bonne arme. Là, on a une bonne arme. Ah, c'est un snipe que j'ai, c'est chiant. Ah bah, quand je suis pas prêt, je suis pas prêt. Hein. Ah bah ouais, j'étais pas prêt. Écoutez, moi, je le tue pas en une balle, lui me tue en une balle. Waouh, bon, ça arrive. Hein. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Ok, c'est parti, un Hellstorm. Voilà, j'ai oublié les touches, donc je ne vais tuer, évidemment, personne. J'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit Predator. Alors, c'est vrai que ça fait, pour être un peu plus sérieux, très longtemps que j'ai pas joué à Call of. Bah, ça fait un an et demi. Et là, ça fait très bizarre de se remettre dedans. Je suis désolé pour cette sensibilité un petit peu ignoble. Encore une fois, voilà, je tiens à m'excuser. Ok, il y a quelqu'un. Faut mourir, monsieur. Voilà. Attention quand même. On va essayer de tempo. Je connais pas mon score, je l'ai pas regardé. Ça va être un score suspense. On verra ça plus tard. Là, je peux me faire un kill. Deux. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment, j'ai une sensibilité désastreuse. Hein. C'est la sensibilité de base, hein. Je suis sur une autre console. Attendez, bougez pas. On va se faire un petit kiff, les gars. On va se faire un petit kiff. Ah ouais, 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 là, c'est terrible. C'est terrible. On va se mettre déjà en 6. Ok, c'est un petit peu mieux. Attention quand même, hein. Hop, quoi? Oh, c'est vrai que ça tue pas, les couteaux du premier coup. Oh, je suis fâché. Oh, j'avais oublié. J'avais oublié. Vous voyez, si je poussais un petit peu plus la fonte en salle de muscule, les gars, je pense que je l'aurais mis KO très facilement. Et très rapidement. Là, j'espère vraiment faire honneur à Karim. Oh, c'est chiant, faut mourir là, les gars. Je sais bien que je suis en strict. On est là, on rigole, on est en 4G, c'est dégueulasse. Mais là, faut mourir, les potos. Hein. Parce que là, je vous avoue que je me fais enchaîner, c'est assez vexant. Là, je fais plus honneur à grand chose. Ok, tu l'as tué, c'est bien. Je suis fier de toi, mon petit sauce. Ah ouais, et ouais, 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 ouais. Un ennemi peut en cacher un autre, comme on dit dans le milieu. Ah! Ah! Bah il s'est suicidé! D'accord! Ça veut jouer comme ça! C'est pas gentil! C'est pas très gentil! Ok, bon, je pense qu'on va piquer leur caisse et à mon avis, ils vont littéralement changer de spawn. Je pense qu'ils vont venir par là. Il y a de fortes chances qu'ils viennent par ici. Arrêtez-moi si je me trompe. Et j'ai l'air de me tromper, donc faut m'arrêter tout de suite là, les gars. Voilà, faut mourir. Là, je suis littéralement en camp ennemi. Ok. Toujours en camp ennemi. Toujours en camp ennemi. Oh là là là, ils savent plus où ils habitent. Oh, c'est pour toi celle-là, Karim. J'espère que ça te fait plaisir. Je le feinte ou pas là? Est-ce qu'ils sont si nuls que ça? Est-ce qu'ils sont si nuls que ça? Il y a moyen. Oh, GG, ça, bien joué, ça. Bien joué de ta part. Ah! Ah, bah, c'est chiant. Ah, bah, forcément, s'il a un sniper et qu'il me la met dans la gueule, ça chicote un petit peu, hein. Oh là 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 là, là, on est littéralement incroyable. Attendez, attendez, bougez pas, bougez pas.
En un an et demi, je suis pas dégueulasse, hein, les gars. Hein. Franchement, dites la vérité. C'est bientôt la fin de ce match incroyable. Je me trouve pas aussi dégueu que ça. Hein. J'ai l'impression que je fais quand même une petite part de bon boulot, là, non? Est-ce que vous êtes satisfait? N'hésitez pas à mettre en commentaire. Bon, j'ai perdu, bien évidemment, du niveau. Hein. Ça, c'est une évidence, voilà. Oh, bah, je suis premier. 27-10, c'est pas mal. Avec un ratio de 2.7. Je trouve pas ça dégueulasse. Et alors, pour être très honnête avec vous... Ça m'a fait du bien de revenir sur Black Ops 3. Alors, j'en ai fait évidemment des caisses. Donc, pour vous expliquer l'histoire, j'ai perdu un pari face à Monsieur le V12. Hein. Donc, j'ai eu un gage. Je devais, pendant toute une vidéo, faire les éloges de cette incroyable personne. Et bien évidemment, j'espère, Karim, que je ne t'ai pas déçu sur ce match à mort. J'espère avoir fait un score en... Un bon score en ton honneur. J'espère que t'as kiffé un petit peu toute cette game. Et j'espère aussi que vous avez kiffé cette vidéo. Et comme je vous disais, pour être tout à fait honnête avec vous, c'était pas si désagréable que ça, que de revenir sur, sur ce Call of Duty. Et au final, ouais, c'est vrai que ce Black Ops 3 était pas dégueu. Il était pas dégueu. On y a joué pas mal hein, quand même. Hein. Je suis presque prestige 1. C'est incroyable. Avant, je faisais évidemment tous les prestiges sur, sur tous les Call of. Mais honnêtement, non, je suis prestige 2 ou 3 même. Attendez. Je crois que je suis prestige 1, 1 ou 2. Ah bah je suis prestige 2, comme quoi j'y ai joué quand même un petit peu et c'était pas désagréable. J'ai bien kiffé. Bref, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de retourner sur ce jeu et de sucer un peu Karim. Bah il le mérite, il a gagné contre moi les gars. Hein. N'hésitez pas aussi à aller voir sa vidéo bien évidemment, du gagne ou du gage. C'est sur sa chaîne à lui et vous verrez de combien j'ai perdu et comment j'ai perdu aussi. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, à plus tout le monde, ciao ciao.